Ben, j'ai vécu la moitié de ma vie en Allemagne et l'autre moitié en France. Du coup, ça m'a donné envie de partager des trucs de ces deux pays avec vous. So eine Art deutsch-französischer Austausch. Là, ça commence. Ok, je vais faire un dernier truc traditionnel. Si c'est fini, voilà, vous pouvez applaudir, taper les pieds. J'étais bébé, attention, ok. Voilà, rapidement, hein, juste un truc traditionnel de la Bavière, un Schuhplattler. Comme ça, vous avez... Voilà, là, on commence un peu avec l'échange culturel. Alors on va vraiment commencer le spectacle maintenant qui va durer pile 45 minutes. C'est le temps de vous préparer une bonne choucroute comme on l'a fait en Allemagne mais aussi en Alsace. Tout le monde est prêt. Maintenant vous voyez. Attendez, vous êtes trop dur là. Attention, une saucisse. Attendez, une saucisse. Sous la jambe. Pour le final. Pour le final. Voilà. Ça réchauffe juste un peu la saucisse, d'accord? S'il y a du vent. Ça réchauffe le reste. Après, il y a un truc qui est génial quand on vit en France comme moi, c'est qu'en cas d'accident nucléaire dans un autre pays, les nuages radioactifs s'arrêtent à la frontière. Du coup, c'est pour ça aussi que je suis là. Ouais, c'est là. Ok, maintenant... Ça, c'est pour mélanger la levure. Vous pouvez rester près des enfants, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais vous montrer. Vous avez le verre comme ça et vous tournez comme ça. Un tout petit peu, Inès, tu te mets ici un tout petit peu. Et puis maintenant, est-ce que tu peux essayer de me envoyer le mot que tu as vu dans le dictionnaire dans la bière? Non, c'est pas quelque chose comme ça? Ouais? Non, mais ouais. Non, parce que je pense qu'on a un bon contact. Je pense. Ouais, c'est ça. Tu m'as envoyé dans la bière le mot porte-avions. Les premiers nains de jardin au monde sont apparus dans le jardin de Johann Bernhard Fischer von Erlach. En 1690, et ensuite ils ont réussi à conquérir petit à petit les jardins du monde. Oh. Attends. Cordes que vous allez tenir sur l'épaule. Deux boules de pétanque, une torche sur la corde. Ok. Voilà, plus dans un esprit de fête, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même pour ça que la France, elle est connue dans le monde entier. Faut pas l'oublier. Du coup, vous arrivez au moment de la Marseillaise. Vous arrivez comme ça, ok. À mi-chemin, vous nous faites un cocorico à fond. Cocorico, ok. Un mètre plus loin, kikiriki. Ok, en allemand, kikiriki, cocorico. Kikori ici, on va le faire direct, hein, je me sens bien avec vous. Et Margot. Voilà, c'est ça. Tu t'appelles comment? Margot. Margot, toi tu es vers ici, comme ça. Ok, Margot. Je vais te donner, alors moi je vais monter sur le podium, ok, qui est à la base déjà pas très stable. Je vais te donner le bol que tu vas me passer sur le podium. Ensuite, sur le podium, tu vas me passer le livre Bayerischer Hausmeister Feinschmecker. Ensuite, tu vas me passer la boîte Colomier. Ensuite, tu vas me passer le nain avec le drapeau français. Ouais, tu es bien organisé, je le savais. Et après, tu vas me passer la mélodica. Un grand applaudissement pour Margot, elle est prête. Alors, maintenant. Super, Margot. Wow.
Un fort applaudissement, monsieur.